Bon, mais bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la restauration du bateau. Je vais attaquer l'électricité, comme vous avez vu dans le titre. Il y a des moments en fait où vous allez voir, cette vidéo va être un peu, je pense, éclatée dans plein de moments de la réalisation parce que j'avais des petits endroits où j'avais besoin de passer les fils avant qu'on en soit à cette étape-là. Donc j'ai déjà passé quelques trucs. Donc là, on a pas mal de choses à installer niveau élec. Pour la console, j'ai pris ça. On voit pas très bien avec la lumière. Donc des interrupteurs on-off rétro-éclairés. Trois boutons. J'en ai un deuxième de 3 pour la console, ça fera 6. Sachant que je vais en enlever 2. Il y en a un qui sera remplacé par la pompe de cale. Donc ça c'est un 3 positions. Et prise USB. Et à l'avant, je sais pas encore si j'aurai des boutons. Je pense pas en avoir besoin à part un. Qui sera une trim à l'avant si j'arrive à le faire. Ça, on va avoir également installé, plus important, le porte-fusible. Donc là, il y a pas mal de positions sur celui-là, donc toutes les lignes seront séparées par ce porte-fusible avec une alimentation de la batterie arrière de 6 carrés, alimentation des sondeurs en 2,5. Et après le reste, suivant ce que ça tire, ça va être entre du 1,5 et du 0,75 carré. Je vais également avoir, hop, ce bouton coupe-circuit. Voilà, pour l'alimentation générale, pour pouvoir tout couper. Tout simplement, on arrive, on allume. Ce sera l'alimentation qui sera différente de la batterie du thermique sur lequel on contactera. Il y aura deux batteries, une batterie qui servira à toute l'alimentation générale des sondeurs, etc. sauf le moteur, et une batterie pour le thermique, batterie de démarrage. Donc ça, il y aura deux circuits différents pour que ce soit plus simple. Et pour pour placer tous les fils, j'ai de la gaine souple qui va me permettre de tenir les fils ensemble. C'est pas protégé parce qu'ils sont déjà gainés en plastique, etc. Mais ça me permettra d'avoir quelque chose de propre. Donc j'ai pris deux tailles différentes. Ce sera plus pratique que de la gaine rigide ou des choses comme ça. Et plus propre, ça permettra plus facilement intervenir, changer les positions au fur et à mesure, passer un câble de sonde facilement si jamais il y a un changement de sondeur plus tard ou quoi. Il va également y avoir une ligne pour l'alimentation du mât à l'arrière qui va permettre l'éclairage pour la navigation de nuit. Je ne sais pas encore où je vais le mettre, mais il y aura une ligne qui sera alimentée pareil par un bouton sur le bateau directement. Et l'éclairage des coffres. J'ai déjà installé l'éclairage des coffres, j'ai pas filmé parce que c'était un peu galère. Il y a juste deux coffres qui sont éclairés, qui vont être le coffre à canne et le coffre latéral. Les autres, je pense pas. Après, je rajouterai peut-être à l'avenir des lumières sur le bateau quelque part, mais j'ai pas encore décidé comment je le faisais, si je le fais ou pas. Donc voilà un petit peu pour le circuit. La première étape, ça va être de prédécouper les fils, les passer, et après il y aura quand même une grosse partie définition qui se fera une fois qu'on aura posé pas mal de choses. Faut que je remette un coup de peinture sur la console, mais pour remettre un coup de peinture sur la console, faut que j'ai fixé le pont. Parce que je veux tout faire en même temps, donc il y a pas mal d'étapes qui vont me bloquer pour la finition. Mais déjà, je vais préparer tous les câbles, les noter surtout, et il y a une partie que je peux fixer déjà sur l'alimentation, sur le porte-fusible, qui vont être toutes les lignes directes qui n'ont pas d'interrupteur. Donc c'est parti pour ces étapes-là. Je vous mets quelques images, j'ai fait l'emplacement et installé le support pour justement ce porte-fusible un petit peu plus tôt, et après on passe à l'étape fixation des câbles. We'll be right back.
Allez, je passe l'alimentation générale, 6 carrés. Voilà ma longueur. Donc là, j'ai du coup un câble en 3 fils pour la pompe de cale, position automatique, manuelle et la masse. Hop, là, j'ai 2 fils pour la pompe de vivier, il y a juste un on-off. Et ça, ça va être l'éclairage arrière. J'ai assez de longueur pour aller jusqu'à la console. Là, j'ai une alim sondeur. Tac. Ça, c'est la trim. Bon, je suis dans l'électricité. Je sais pas si ça sera très clair, mais j'ai mes départs qui arrivent tous au même endroit que j'ai passé, et je suis en train de faire les branchements des boutons. Donc là, j'ai déjà fait. J'ai mis des cosses qui se branchent directement dessus. Je vais avoir une ligne sur le fusible qui va être l'éclairage. Donc éclairage des coffres et éclairage de la navigation. Ça va être sur une ligne sur le même fusible. Ceux-là, ils sont faits. Il faut juste que je refasse une petite retouche là pour que ce soit sur la même ligne. Et ensuite, il me reste là. J'ai mes départs. Il me reste mon arrivée à faire. Du porte-fusible pour la pompe de cale et une arrivée pour la pompe de vivier que je vais séparer les deux pour être sûr. Tac, et il me restera une ligne à passer en attente, je pense, pour autre chose, mais je sais pas encore quoi. Elle sera en place si jamais on veut brancher autre chose. Il me reste un bouton de libre. Donc allez, c'est parti. Un petit peu de soudure, enfin. On va plutôt étamer et après on sertit tout ça. Allez, c'est parti.
Allez, c'est parti, je vais installer du coup la pompe pour le vivier. Donc je dois percer le tableau arrière. Un petit peu de stress, faut pas se planter. Mais normalement ça devrait bien se passer. Allez, c'est parti. Don't leave me here.